l'autre à Divo, à 1h30 d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Et en fait, comme vous voyez, je suis en sueur, il fait 44 degrés au soleil, il fait extrêmement chaud. Et tout le monde en fait est posé à l'ombre, ne bouge pas en fait parce qu'il sort, parce qu'il n'y a rien tellement qu'il fait chaud. Dans les rues, il y a très peu de monde, il y a quelques personnes, c'est désert. C'est horrible, parce que cette chaleur est horrible. 44 degrés, je suis au bout de ma vie. Regardez le ventilateur. Il est à fond, hein, mais l'air il est tellement chaud que c'est horrible. Préparation de l'huile de palme. Voilà, tout ça, ce sont les grappes des graines de palme. Voilà, je suis avec mon ami Draman qui m'a accueilli ici à Divo et on va faire une première expérience, goûter le fameux foutou ivoirien. Voilà, avec deux sauces, sauce palme et sauce aubergine. Voilà, donc c'est maintenant, première expérience. C'est parti. Donc, après on trempe comme ça. Voilà, nous sommes arrivés dans une exploitation de ce qu'on appelle le LVA. Les arbres, voilà, et on peut voir ici les zones de le panneau, ce qu'on a là où on récolte la sève, qu'on peut voir ici le latex blanc là qu'on voit ici. Et c'est avec ça qu'on fait le caoutchouc. Ici, c'est le deuxième coup de couteau. Voilà, et après ça coule. Ouais, ça coule, ça descend ici. Tu vas le voir comme. C'est comme un bonbon. Et après, on jette. Oui, mon père. Et ça, c'est la sève après pour se garder. C'est pas qu'il y a le cacao. C'est ça pour faire le cacao. En tout cas, la chair là, je vois que la sève est très